Eh bien, salut tout le monde, c'est Moonwalker, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un commentary Trop belle sur la tête mon de avis Youpi sur Hoople. Call of Duty 4 Hey Youpi, allez remasterisé. Youp parce que c'est bon. Donc cette vidéo-là, je voulais Bah la moi faire j'aimerais bien accompagner d'un jouer pour gameplay sur rigoler. Warzone Code 4 pour que ce soit un peu, hein, vous voyez, qu'il y a un rapport entre ce que je dis et ce Bah que vous d'accord, voyez. c'est de la merde. Mais au final, en fait, j'ai pas envie d'y jouer à D'accord Code d'accord 4. j'aime bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle est trop belle. Et donc, vous en fond, je sais pas ce qu'il y aura encore comme Oh gameplay, mais ce c'est sera trop belle. forcément un gameplay sur Infinite Warfare. Tu parles d'une carte qui est jouable. Donc voilà, quel gameplay c'est, j'en sais rien, Putain, m'en et c'est à fous, mais l'endroit c'est où du tu lourd veux comme jouer, d'habitude, du toi, là. gros, du Tu lourd, vois, tu veux apprendre du alors. carriage de team, et puis c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc avant de parler vite Oh, fait tu veux de la mer. de Call of Duty 4, de ce que je pense du jeu, on va vite fait, Oh, j'ai un nouveau gras, dis on va donc. dire, peaufiner mon avis sur Infinite Warfare, parce que j'avais Ouais. déjà fait une vidéo de mon avis sur ce jeu lors de la Salut, bêta, mais là je vais Kaori. vous donner 2-3 trucs en plus, étant donné que des gens qui m'ont demandé dans les commentaires, donc étant donné que j'ai répondu dans les commentaires, mais que je préfère en faire Bâtard! profiter tout le monde. Ouais. Donc pour Mathieu, revenir à mon viens, avis ça sur court! Infinite Warfare rapidement, donc comme vous avez déjà dit, déjà pour moi c'est le Voilà, même type de jeu que Black Ops 3. pute, toi! Très bon jeu, faut juste que Ah. qu'il marche correctement. Donc pour de ce côté-là, marcher correctement, étant donné que le jeu est quand même sorti depuis 2 semaines maintenant. On va dire que de mon point de vue, ça va, franchement. Ouais, ça va. L'écho, donc voilà, comme pour Black Ops 3, le problème de Black Ops 3, c'était vraiment au niveau Clair des de connexions. lune. Pour moi, des moments, il y avait des trucs qui à l'époque qui me faisaient péter un câble. Pour moi, ça va. Bon, Ouais, ça bah fait que 2 semaines, donc ça. peut-être au fur et à mesure, ça commence à me faire Vas-y! chier, mais j'ai pas ressenti énormément de bugs de connexion, même si des fois sur certaines games, il y a des mecs qui lag, qui a du L'écho! bullshit, etc. Mais c'est pas aussi Ah flagrant que sur Black Ops putain! 3 pour le moment. À ce niveau-là, donc ça va. Je suis assez satisfait à partir de là parce que pour moi, comme vous ai déjà dit, un bon Call of, mais même tout bon jeu multijoueur, se doit d'avoir des bonnes connexions. À partir de là, au moment où il a rage des culs, quoi qu'il y ait dans le jeu, n'importe quel type de mouvement, d'accessoires, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où les connexions sont bien, c'est magnifique. Donc pour le moment, ça va. Pour le moment, j'ai eu là, les 4-5 games où c'était pas top, mais la plupart ça allait. Et deux autres choses par rapport au jeu. Par contre, ça c'est des avis négatifs. C'est par rapport au matchmaking. Le matchmaking, franchement, j'aime bien. Enfin, je vais vous expliquer vite fait le matchmaking d'Infinite Warfare. Je pense que vous l'avez déjà compris, je pense. Ça se fait par rapport au. L'équilibrage du team se fait par rapport à votre SPM. Un peu comme sur Black Ops 3, un peu comme sur Infinite Warfare. Sauf que des fois c'est super chiant. Surtout quand je suis. Quand c'est moi qui joue, vous voyez? Que j'ai Ah, un dans le très cul, gros ton père. SPM et que je me tape des putains de grosses merdes avec moi et qu'en face il y a toutes Tire-le les puputes. dans le coup de cul, là. Ça me dérange pas d'un point de vue du fait que je Ah, dois tire élever une mon balle, niveau de jeu putain. pour qu'on Ah, gagne, il te ouais. met Donc sur ça les me caisses, faut faire gaffe. permet de pousser mes limites, vous voyez, Putain, il pour gagner m'énerve. la game. Sauf qu'à des moments ça suffit même pas tellement mon équipe c'est de la merde. Tire-le dans le Et cul, moi qui putain. déteste perdre, ça me met dans des états Ah, pas putain, possibles. enculé, toi. Donc ça me fait extrêmement chier sur. Parce que l'équilibrage des fois il est très très mal fait. Des fois ça va là, et par exemple hier j'ai joué peut-être 2-3 heures de suite. Il y a peut-être j'ai perdu 4-5 games parce que c'était à ce niveau-là c'était Ah, normal. impossible. Tu pouvais pas, Tous les jeux c'était sont juste pas pareils. possible de gagner vu la gueule de ton équipe. T'as beau Tous les faire je sais jeux. pas combien de scores par minute de score, tu peux Tu perdre. sors la pute, mon gars. Des games j'ai perdu même de 2-3 médailles parce que voilà. Mais au final j'en ai quand même gagné 20 sur 5 donc ça va quand même. Mais voilà. Normal, normal. De ce point de vue-là, malheureusement, ça perdure depuis Infinite Warfare, mais c'est chiant, Comprends pas. c'est Moi, je chiant. prends deux balles, je meurs, je leur remets À 4 certains caisses. moments, Y'a pas moyen. parce que des fois, comme j'ai dit, ça me permet d'élever mon niveau de jeu et de faire des games de fou. Et ça, c'est bien pour vous, non? C'est pas bien pour vous, ça? Oh. Et puis, deuxième truc qui est chiant, c'est les variantes. Je pensais que les variantes, ils allaient pas être Non, tellement pas avec abusés que ça, ça, c'est de l'ado. mais au final, franchement, quand tu tombes sur un mec qui a une bonne variante, tu te fais démonter. Par exemple, je sais pas comment elle s'appelle l'arme, je vais dire la P90, je pense que vous voyez de quelle arme je parle. Je l'avais dans les mains, je jouais avec, je faisais mon truc, je le tue et tout. Puis là, je me fais tuer par un Mais mec qui bien a une joué sur P4 P90. quand même. Et là, je comprends pas parce que le mec, je lui mets le même nombre de balles, mais moi, je meurs avant lui. Donc, je prends sa Putain. P90 par terre. C'est une variante orange, donc c'est une variante légendaire ou épique. Et puis, j'ai compris pourquoi. Sa P90 ne bouge pas, aucun recul, et elle met 2 balles. Alors que ma P90, elle bouge avec même les mêmes types d'accessoires, donc poignée, ergot, etc. Il y a des variantes qui sont quand même pas mal cheatées. Ça, Mais ça me fait chier. non! Ça me fait rappeler Advanced Warfare, un jeu, peut-être le Call of que j'ai le moins apprécié. Et ça, de ce point de vue-là, c'est chiant. Bon, c'est pas tellement abusé comme sur Advanced Warfare, mais le fait qu'il y ait des variantes, ça me fait chier. En plus, le fait que tu peux les avoir avec les microtransactions, Ah, en c'est le achetant des bonbon colis, nouveau! etc. Que Coupeur ça de te donne mes des points de ressources couilles! pour pouvoir débloquer en plus les nouvelles. D'autres variantes. Voilà quoi. Ceci fait que, de ce point de vue-là, c'est chiant.
et c'est casse-couille. Pour moi, ça devrait pas exister les microtransactions, mais bon, il y a des gens qui achètent des trucs, donc forcément, ils vont le laisser, ça leur fait de la monnaie. C'est cette logique d'argent. Enfin bref, le monde est fait comme ça, on n'y peut rien. Enfin, on peut faire des choses, mais bon, de toute façon, ils s'en battent les couilles. Maintenant, on va parler de Code 4. Donc là, j'ai déjà passé 5 minutes sur Infinite Warfare. En plus, je voulais pas passer pour trop de temps dessus. Donc si j'ai pris 5 minutes sur Infinite Warfare, je vais prendre au moins 15 minutes sur Code 4, les gars. Accrochez-vous, ça va chier. Donc Code 4, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Et bah franchement, on va parler du point de vue déjà remasterisation. On va dire que de ce point de vue là c'est bien fait, parce que c'est quand même plus beau qu'il y a 10 ans auparavant, hein. On est d'accord sur ça, je pense. Donc de ce point de vue là, côté remasterisation, etc., ils ont bien fait, les sons des armes sont pareils quasiment, à part pour certaines armes. Enfin, je m'en rappelle plus très bien, ça fait 10 ans le jeu, hein, quand même. À ce point de vue là c'est pas mal, les modes, puis ils sont plus belles qu'avant, c'est stylé et tout. Et voilà, à partir du point de vue graphique, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait refaire, etc. Donc voilà. Mais du point de vue gameplay, c'est atroce. C'est de la putain de grosse merde. Franchement, hein, on va déjà parler de la sensibilité. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et quand même, ils ont repris le même système de sensibilité que sur les Call of, que sur Black Ops 3, que sur Infinite Warfare. Et ils arrivent encore à que ce soit la sensibilité soit pas pareil que sur Infinite Warfare. Tu prends 106.6 sur Infinite Warfare, donc c'est ma sensibilité que j'utilise. C'est pas la même que la sensibilité 6 de Code 4, alors que ça va de 0 à 20, de 1 à 20, pareil. Comment c'est possible? C'est le même studio qui fait le jeu et ça marche pas pareil. Comment c'est possible? Attendez, parce qu'il y a la télé derrière, je sais pas si vous l'entendez. C'est aberrant quand ça fait ça. Comment il peut faire ça? Donc moi, je peux pas jouer en 106.6, en 106.5, c'est chelou. En 106.4, en fait, 106.4, c'est trop lent pour moi, mais ça me permet de mieux viser. 106.5, c'est la vitesse, je sais pas. Et en plus, tu prends la sensibilité avec l'aide à la visée, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est à cause de la connexion des serveurs, etc. En parlant des serveurs, les serveurs de Call of Duty 4, c'est de la putain de grosse merde. T'as du retard de fou. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont repris les serveurs d'il y a 10 ans, puis ils ont fait 2-3 petites améliorations. Sauf que 10 ans, c'est... Vous voyez, il y a un écart technologique. Pas possible de refaire la même chose. Je sais pas qu'est-ce. Il y a un effet sensibilité à de la visée connexion qui fait que il y a forcément un truc, des trucs qui va pas marcher. Donc je sais pas du côté des fibreux si ça marche correctement chez vous à ce niveau-là. Mais moi avec ma petite connexion mongole là que je traîne depuis je sais pas combien de temps, lui, c'est pas possible. Il me tape à retard de fou la sensibilité. Je vous dis. En 5 ça bouge trop. En 4 ça bouge pas assez. Mais sauf qu'au 1 et 2 points de vue. Je me prends tous les murs quand je bouge, je me prends tous les murs. On dirait un manchot qui joue, franchement. Je comprends pas. Je me rappelle 10 ans auparavant, quand je jouais à Code 4, c'était pas. Je me prenais pas les murs, hein. Je défonçais des gens. C'était pas comme ça. Après, de ce point de vue-là, déjà c'était casse-couille. Après, alors le point critique. Donc le jeu, les gens ils voulaient un remasteriser. Donc un truc, que le jeu soit comme 10 ans auparavant. Sauf que, comme ça veut dire que ces gens-là aiment bien jouer contre des mecs qui ont triple grenade, qui ont des mecs qui ont, je sais pas comment ça s'appelle sur le jeu, mais la toux d'explosif là pour que les explosifs se fassent de meilleurs dégâts. Il y a des gens qui aiment bien se taper des clémores, il y a des gens qui aiment bien les campeurs, il y a des gens qui aiment bien que d'être super lent, il y a des gens qui aiment bien tout ça, d'accord. Non mais c'est bien. Disons auparavant, je peux être d'accord. Pourquoi en 2007, c'est 2016, 2007, je sais plus quand il est sorti. Là, comment je peux être d'accord parce que c'était unique en son genre il y a 10 ans auparavant. Donc c'était nouveau, c'était parfait. Et encore, 10 ans auparavant, ça marchait. Le gameplay était mieux que celui-là. Je pense que sur le niveau du gameplay, ils l'ont complètement foiré par rapport à ce qu'il y avait 10 ans auparavant. C'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus lent, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans auparavant. Moins fluide, je sais pas comment expliquer. Pour moi, comment j'aurais fait le jeu, tout simplement, c'est que tu refais remasteriser, donc tu refais tout beau graphiquement, mais t'enlèves les faiblesses du jeu qu'il y avait 10 ans auparavant pour le rendre encore plus parfait maintenant. Donc ça veut dire que, par exemple, tu peux courir indéfiniment. Ça, c'est un truc que. Je sais pas, ça aurait été. Imaginez Code 4 où tu peux rusher indéfiniment, tu cours tout le temps. Ce serait pas magnifique ça? Franchement, les mecs. Parce que les maps sont grandes quand même sur Code 4. Donc vous imaginez faire la map
Donc ça favorise les campeurs. Qui aime bien les campeurs? Personne. Ah, donc pourquoi vous aimez Code 4? Je ne sais pas. Deuxième chose. Vous aimez là les triples grenades, triple claymore à tout bout de champ partout avec plus dégâts explosifs améliorés, etc. Vous aimez ça? On s'est battu pour éviter que ça revienne sur Call of pendant 10 ans. Et puis là, ils le remettent. Pourquoi ils l'auraient pas enlevé? Ça aurait été tellement mieux Code 4 sans ces trucs là. Après, vous allez dire ça fait ça saveur, mais on est 10 ans après. Moi, ma règle d'or, c'était toujours le jeu. Un Call of, ça a duré une vie d'un an parce qu'ils en sortent un tous les ans, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et donc, après cette année-là, tu passes à un nouveau Call of, donc avec des améliorations. Donc, censé améliorer ce qu'il y avait avant. Et à ce que je sache, ça fait quand même 10 ans que je joue à Call of. Ça fait quand même 10 ans. Hein. Ça fait longtemps. Ouais, peut-être, je sais pas si ça fait exactement 10 ans, un peu moins. Mais. À ce que je sache, à chaque fois, ils ont toujours fait des améliorations pour éviter que les faiblesses du jeu ne apparaissent dans le jeu suivant. Bon, des fois, ils ont quelques faits, peut-être des petits loupés, mais il y a toujours eu des améliorations. Et là, c'est comme si tu revenais 10 ans en arrière. Imaginez juste, prenez ce point de vue-là. Code 4 n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de Code 4 de toute l'histoire de Call of. C'est le nouveau Call of de cette année. Il n'y a pas d'Infinite Warfare. Le Call of Duty remasterisé, c'est le Call of de cette année. Dans l'état du jeu, là, avec, c'est comme si on va dire... Voilà, on revient à des choses comme Call of avant. C'est le nouveau Call of, etc. Est-ce que dans... Si vous prenez en compte le fait que ce jeu n'a jamais existé avant, que c'est le nouveau Call of, est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous l'aimeriez, ce jeu? Est-ce que vous aimeriez être super lent? Que ça prenne 3 heures à faire n'importe quel mouvement? Que ça campe dans tous les côtés? Ça campe dans tous les côtés. Tu peux pas rusher sur ce jeu. Parce que t'as toujours un déficit. Tu peux rien faire, le mec il est viseur fixe, il a toujours l'avantage sur toi, tu veux rusher. En fait ça sert même à rien de courir sur ce jeu, parce que le temps que tu cours, que tu vois un adversaire, que ton arme remonte déjà, ça prend 3 heures. Qu'en plus que tu veux viser, ça prend encore 3 heures. T'es déjà mort, t'as pas le temps, le mec, un mec qui marche aura un avantage sur toi. Le mec il marche, il aura qu'il tire au jugé et puis c'est terminé, il démonte. Un mec qui avancera en visant aura un avantage sur toi. Est-ce que vous voyez faire toute la map en avançant, en visant ou en marchant, alors que les maps sont quand même assez grandes sur ce jeu? C'est bon quoi. Encore à l'époque je comprendrais, parce qu'avant déjà il y avait un truc qu'il n'y avait pas maintenant. C'était YouTube. YouTube ça a commencé sur Code 4, sauf qu'au début les YouTubeurs faisaient des vidéos par plaisir, donc il n'y avait pas de tutoriel pour savoir comment jouer, etc. Donc il n'y avait pas de... La communauté n'était pas pervertie, vous voyez. Donc tout le monde jouait comme il voulait, mais ça bougeait, c'était vivant. Quand je jouais à Code 4, c'était vivant. Là, c'est pas vivant. Et on se demande bien pourquoi c'est pas vivant. Parce qu'il y a forcément des petits youtubeurs, même des gros youtubeurs, on va dire, qui ont la nostalgie de l'ancien Call of, sauf que ils le pourrissent, le jeu, sans forcément le vouloir en plus. C'est un... Pour moi, voilà, sur ce jeu... Pour moi, comment ils auraient dû refaire ce Call of 4, c'est le remasteriser, mais en enlevant toutes les faiblesses du jeu pour l'améliorer, pour qu'il soit meilleur. Genre, par exemple, tu rajoutes des atouts pour que tu sois plus rapide dans tes mouvements. Parce que là, c'est juste un jeu de campeur et de sniper. Ah, si t'es un sniper, tu vas aimer le jeu. Parce que le sniper, il a l'avantage sur... Qu'est-ce qui se passe? Attends, qui aime bien Mastodonte? Qui aime bien Mastodonte? Personne. Qui aime bien Martyr? Personne. Qui aime bien Barreau d'Honneur? Personne. Mais il y a des gens qui... Les gens qui jouent à ce jeu sont des sadiques. Ils aiment bien se prendre des trucs de merde dans la gueule. Alors qu'on s'est battu pendant 10 ans pour plus avoir ça. Ils auraient enlevé tout ça dans le jeu. Rajouté des atouts pour être plus rapide dans ses mouvements. Pour rusher. Enlever tous ces trucs de merde qui servent à rien. Etc. Bah, le jeu aurait été parfait là. Ça aurait été... Un truc parfait quoi. Ça aurait été juste parfait. Là j'aurais joué plus, etc. Donc là je sais même pas si je vais jouer beaucoup. Je vais peut-être faire au moins l'effort d'arriver jusqu'au niveau 50 en espérant que d'ici là les serveurs soient quand même meilleurs. Parce que quand il y a une différence, en fait, ce que je fais à chaque fois, c'est avant d'aller sur Infinite Warfare, je vais jouer à Code 4. Je joue une demi-heure vite fait à Code 4. Je dis c'est de la merde, c'est bon, il se passe rien. Je vais sur Infinite Warfare et là c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est dingue. Donc voilà, pour moi, ils l'ont foiré. En fait, ils ont juste fait ça juste pour faire de l'argent. Ils ont réussi, je pense. Parce que je pense que pas mal de monde. En plus, ce qui me fait encore le plus rire, c'est quand je vois sur Twitter des gens qui mettent. Il y a eu tant de personnes qui sont connectées sur Code 4. Vous avez vu comment les gens, ils aiment bien Code 4, etc.
les gros youtubeurs, ils font. Et ils touchent. Vous croyez pas qu'ils touchent pas quelque chose derrière tout ça? Hein, à faire de la pub. Et ils assurent. Ils touchent pas forcément quelque chose, mais. Ils assurent leurs arrières, vous voyez. S'ils disent du bien du jeu, ils savent qu'ils vont être encore invités à des événements, etc. Hein. Voilà. Ils doivent rentrer dans la stratégie de d'Activision, même s'il y en a qui critiquent. Ils sont rares parce qu'ils veulent pro. C'est des. La plupart des youtubeurs sont des profiteurs. Rares sont les gens qui font ça en étant. Comment dire? Pas forcément eux-mêmes, si eux-mêmes. Mais. Dans le vrai, comment dire? Putain, j'ai perdu le mot. En étant franc, en fait, je sais plus. Vous m'avez compris, mais voilà. Pour moi, ils l'ont foiré, et j'espère. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme patch pour améliorer Code 4? Expliquez-moi. Parce qu'en fait, ils sont bloqués par leur fait de remasteriser que les gens veulent que ce soit le même jeu qu'il y a 10 ans en arrière. Donc, ils ne pourront pas. Comment on dit en français? Parce que j'ai les mots en français. En anglais, mais pas en français. Genre faire que Martyr se soit moins cheaté ou faire que truc se soit moins cheaté, etc. Ils pourront pas le faire parce que le jeu était comme ça et les gens veulent que le jeu soit comme ça. Donc la seule chose qu'ils pourront améliorer, c'est les serveurs. Mais le jeu restera pareil. Et ça... Pour moi, je sais pas si je l'ai dit. Ma règle d'or, non, si je l'ai dit. Je l'ai dit. Que quand le jeu il est passé, ça sert à rien. Il y a Ghost, par exemple, Ghost c'est l'un de mes Call of préférés. Mais mon Call of préféré, c'est pas pour autant. Pas parce que c'est mon Call of Duty préféré que j'ai encore rejoué. J'ai joué mais un an sur Code Ghost, puis après j'ai pu toucher. Même si j'ai détesté Advanced Warfare, je suis plus revenu sur Ghost parce que j'aimais pas le jeu. Faut passer à autre chose. Et les gens, je suis d'accord d'un point de vue du fait, moi aussi, qu'avant c'était mieux sur Call of. C'était mieux. Mais faut juste reprendre ce qu'il y avait avant sur Call of. Donc le fait qu'il n'y ait pas de double boost, enfin double jump, même si ça me dérange absolument pas, moi j'aime beaucoup même. Ça donne un niveau supérieur au jeu. Et j'aime mieux quand même quand c'est. Même en disant ça, j'aime bien les double jumps. C'est stylé, moi je trouve. Ça donne quand même un truc stylé quand c'est bien fait. C'est ça le problème, c'est que. Il y a des double jumps, mais c'est. Sur Advanced Warfare, c'était de la merde. Sur Black Ops 3, il y avait des problèmes de co. Donc tu pouvais pas en profiter. Là, pour le moment, sur Infinite Warfare, j'aime bien. C'est pas trop bugué, vous voyez ce que je veux dire. Donc même peut-être revenir sur un jeu. Terrestre, juste pas de double jump, etc. Je sais même pas si ce serait un retour en arrière. C'est bien le passé, mais faut avancer quand même, vous voyez. Faut pas toujours se cantonner. Faut s'améliorer. C'est dans la défaite, dans les choses mauvaises qu'on s'améliore. Donc là, ils sont revenus en arrière en pensant que c'est. Enfin, il y a des gens qui aiment, mais. Pour moi, ils ont mal fait. Pour moi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais pour moi, ils l'ont mal fait. Ils auraient dû faire beaucoup mieux. Ils ont dû le faire autrement, surtout. Voilà. Je pense avoir tout dit. Donc, voilà, c'est un peu une vidéo longue, donc il y aura sûrement deux gameplays en fond. En tout cas, j'espère que mon commentaire vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris ou des explications plus précises. Parce que, voilà, souvent en commentaire, je pars dans tous les coins et après, je sais plus où j'en suis. Donc, dans les commentaires, souvent, je... Pour ceux qui me laissent des commentaires, chaque fois vous voyez que je vous réponds quand même. Je vous mets des gros pavés, mais c'est des gros pavés bien expliqués. Et c'est réfléchi, c'est encore plus réfléchi que ce que je dis à l'oral. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez, il y a eu des incompréhensions, etc. Et puis voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à faire partager comme d'habitude et à vous abonner pour les nouveaux. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour des gros gameplays comme d'habitude. Et puis voilà, allez sur ce je vous laisse et à la prochaine.